Eh bien salut tout le monde, c'est XWordomSasset et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser Fraps pour capturer votre bureau. Donc si vous voulez faire des tutoriels ou quoi que ce soit, donc Fraps aussi peut être utile pour cela. Donc ça peut aussi être utilisé pas que pour les jeux mais aussi pour filmer votre bureau. Donc la première chose, une fois Fraps ouvert, donc allez ici, vous allez trouver une option qui s'appelle Monitor IO Desktop, ou bien quelque chose bureau si en français. Donc cochez cette option. D'accord, et aller sur Movies ici dans cette table. Donc déjà ça c'est dans la table générale, donc cliquez sur général et cochez cette option là et allez sur Movies ou bien Film et choisissez bien sûr le dossier où la vidéo va être enregistrée. Bien sûr, une fois vous allez appuyer sur F9, donc la capture d'écran va commencer. Aussi, si vous voulez capturer votre écran rien que pour faire des tutoriels, bah, je vous conseille de diminuer les FPS parce qu'il s'agit juste d'un travail sur le bureau. Donc ça demande pas trop de FPS. Et aussi, ça, ça diminue la taille du fichier. Donc là, j'ai mis 10 FPS, donc c'est faisable. Donc faites 10, 15 ou bien si vous voulez garder 30, il n'y a pas de problème. Juste pour le microphone, ben si vous voulez filmer avec le microphone, voilà, cochez cette option. Là, une fois terminé, ben, appuyez sur F9. Voilà, donc une fois vous appuyez sur F9, eh bien la capture du vidéo va commencer. Et voilà, faites afficher, donc vous allez aller sur le dossier qui va contenir les vidéos que vous avez filmé avec Fraps. Donc encore une fois, ben, cochez cette option ici. Et choisissez où vous voulez enregistrer votre vos vidéos filmées. Et aussi pensez à diminuer les FPS à 10 voire 15. Et aussi, une fois vous appuyez sur F9, la capture d'écran va commencer. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter en bas. Et de ma part, je vous dis à très bientôt. Au revoir.